Deutéronome, le chapitre 28. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître ceux qui viennent des différents villes. Quels sont ceux qui sont ici à Florence? Ici, c'est Porto. C'est Porto. Prato. Quels sont ceux qui sont ceux de Prato? La fille de la salle. Ceux de Prato. Maintenant, quels sont ceux qui viennent d'autres villes? Et boy. Vous, c'est. C'est ta soeur qui va. Non. Ça, tu viens Quels sont ceux qui viennent d'autres villes aussi, vous? La Suisse. Ah, d'accord. La Suisse. Et vous? Quoi ça? Pordenone. Oui, quoi, oui? Un police de Firenze. De Firenze, c'est ça. Et vous? C'est en province. Oui, beaucoup, oui. Mantova à 2h de Milan. Voilà. Cremona. À 1h30 de Milan. Cremona. Amen. Voilà que vous voyez. Nous prenons des tenants de chapitre 28. Des tenants. Oui. Ici, c'est en Italie, c'est ça? Détournez le chapitre 28. Voilà. Oui, tu peux avoir une conversation. Écoutez très bien la bénédiction en perspective. Si tu obéis à l'éternel ton Dieu. En respectant et en mettant en pratique tous ses commandements. En respectant et en mettant en pratique tous ces commandements. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Et l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Allons-y. Voici toutes les bénédictions que tu, qui se déverseront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Déverseront. Seront sur toi. C'est pas toi qui vas prier. Les bénédictions se déverseront sur toi. Et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et dans les champs. Et tu seras béni.